Situé dans la commune d'Aix-en-Provence, le camp des Milles est le seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact aujourd'hui, où furent internés plus de 10 000 personnes de 1939 à 1942. Parmi elles, plus de 2000 hommes, femmes et enfants juifs furent déportés à Auschwitz. Cette visite est l'aboutissement de notre projet de classe. En début d'année, notre classe a eu envie d'apprendre autrement l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Nous voulions prendre conscience de la réalité de ce qui a été vécu à cette période. Nous avons été à l'initiative du projet et les professeurs et notre principal nous ont beaucoup soutenus. Ils nous ont aidés dans la recherche du site et dans l'organisation du voyage. Ce qui nous a plu dans le camp des Milles, c'est le fait que ce soit un réel lieu historique et non pas un simple musée ou une reconstitution. Donc, je suis Bernard Mosset, je suis ici responsable du pôle recherche, éducation, formation à la fondation du camp des Milles, c'est-à-dire que je suis responsable de la coordination de tout ce qui se produit de manière scientifique ici, sous l'autorité du président de la fondation, Alain Chouraqui, et notamment en termes d'éducation, d'offres pédagogiques, d'ateliers pour les scolaires notamment, de la recherche et de la formation des adultes, puisqu'ici nous recevons de nombreux adultes qui viennent se former à nos contenus scientifiques et citoyens. Trouvez-vous qu'il y a une différence entre ce mémorial et un musée lambda ? À notre connaissance, sur un site mémorial, nous sommes les seuls à livrer les clés de compréhension qui expliquent comment une société, étape par étape, peut arriver jusqu'à perpétrer un génocide. On est récent, on a ouvert en 2012, donc on a 6 ans et demi d'existence. Donc, par exemple, notre parcours muséographique visite maintenant 110 000, 120 000 visiteurs par an, dont 65 000 scolaires, a peu évolué. Ce qui a beaucoup évolué, c'est les ateliers, les modules de formation qu'on a adaptés, qu'on a approfondis. On a été assez surpris, les professeurs et aussi les élèves, de ces nombreuses sécurités. Comment expliquez-vous cela ? C'est tout simple. Quelques mois avant l'ouverture, le site a été classé comme site sensible par le ministère de l'Intérieur, par le gouvernement, il est toujours. Et donc il y avait des mesures de sécurité, notamment un portique comme dans les aéroports, parce que c'est un lieu sensible, tout simplement parce que c'est un lieu qui est lié à la Shoah. Et depuis les attentats de 2015-2016, évidemment, ces mesures de sécurité se sont renforcées comme dans beaucoup d'autres lieux en France et même en Europe.